Allô tout le monde, voici Champion MMCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin il va y avoir des informations importantes sur ce qui va suivre. Alors je vous dis bon visionnement. Wow, on commence le top. Ok. Là, je vais vous expliquer où on est à l'hangar 51. Wow, ça fait ça. Je sais pas si vous avez vu, ok. Désolé. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de... Oh. Ah! Bon, je vais finir par le dire, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas si vous avez vu l'émission, la vidéo de Luduc entre deux vidéos. La vidéo de Luduc entre deux vidéos. C'est entre deux vidéos avec Simon. Je sais pas si vous l'avez vu. Je veux juste vous. Ah, il est là. Je vais vous dire, c'est ça le jeu. Vous l'avez en description. Je sais plus pas c'est quoi, mais vous l'avez en description. Yeah! Hey, c'est pas évident, je vous le dis tout de suite, c'est pas évident. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je vais essayer de... T'as-tu? C'est facile à comprendre, honnêtement. Enfin! Ah, il est là. Attends, je suis pas mort. Jusqu'à là. Ah, que la vibration, il y en a. Je peux vous le dire. Il est mort. Ah, ça vole! Ça vole! Damage for ejecting. Oh!
suis mort, je pense. Ouais, c'est ça, je suis mort. Honnêtement, je me demandais comment que j'allais être pour... comment dire ça? Je me demandais vraiment comment que ça allait se passer par rapport l'adaptation, mais ça se fait relativement bien l'adaptation, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Ah oui, c'est vrai, pour toutes les pompes. C'est un bon jeu, ça je peux vous le dire. Ah oui! Les bleus, c'est les mes alliés! Mais celle, je pense que c'est mieux de les utiliser quand c'est proche comme ça. Bien. Ah, c'est mort. Oh non, c'est fini. Je sais pas qui a gagné, mais... J'espère que ça s'est bien filmé. Je vais vous revenir avec ça, inquiétez-vous pas. Alors tout le monde, nous sommes de retour... dans ce jeu. Rétro. Sachez que nous sommes en multijoueur actuellement. Ça, je peux vous le garantir. Je suis en multijoueur. Ah oui, c'est vrai, faut que... Sachez que c'est pas évident quand même, les contrôles. D'accord. On va aller à notre robot. Ok. On va l'avoir! Voilà! On l'a détruit en plus tout seul! Tiens, oui! Où est-ce qu'il l'a eu? Encore la misère un peu avec les contrôles, mais sinon ça va. Surtout avec l'avancement et le reculon là, que j'ai encore un peu de misère. Ah, je suis mort! Maintenant, qu'est-ce que j'ai pu voir entre les deux parties, c'est que... Hey, on s'en fout.
jusqu'à date, comme que on a pu voir, on a fait la première partie, c'est des tests. Puis à date, je pense que vous avez une belle vue, c'est juste que ça vibre un petit peu. À date, la meilleure stratégie comme que j'ai pu voir, c'est plus proche. Voilà. Ok, moi j'ai deux... Aïe. Voilà. Non, je suis encore mort. Pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Il n'y a pas de robot ici dans ce coin. Bon, bon tout est là-bas, là. C'est pas plate un peu. Faut y tout là-bas. On va aller vite. Et ça va faire l'affaire. Ouais, toute l'action se passe là-bas. Voilà. Ah, en plus, il y en a deux. Non, mais... Ah. L'avoir. Tiens, toi. On va l'avoir. Voilà, voir. Tiens, quoi. Voilà. Les contrôles, ça fait simple, même s'il faut juste une certaine adaptation des contrôles avancement, reculé. Ah, on va l'envoyer. Mission terminates in 30 seconds. Ah. Et c'est terminé. Nous sommes de retour pour la dernière phase. Oh, Ludwig, en plus. On commence avec Ludwig. On le voit, comme on dit, en mille joueurs. Ah, il m'a tué. Ah, cette fois-ci, c'est que nous sommes toutes cons. Tout ce qui s'appelle eux autres, là, on est toutes. Bien. Yes. The arm.
deuxième. Oh, je vais jouer un troisième. Et j'ai encore un peu de bizarre avec les contrôles. Les contrôles reculés. Je suis sûr que je vais me faire attaquer. Bon, je suis mort. Ça devrait pas faire avec le tronc quand même. Les pédales. Ouais. Je vais sûrement revenir à un moment donné. Bien, je vais avoir ma revanche contre le duc. Tiens, toi! Bien, j'ai repris ma revanche contre le duc. Ah, encore le duc! Ah! C'est un peu normal, j'étais déjà... Bon. Ah, il y a un duc. Tiens. Ouais, les pédales c'était pas pire. Ah! On se fait tirer de partout! C'est incroyable! Ok, il y en a un proche. Kill awarded. C'est bien, on peut voir les des noms. Ce jeu là quand même. Tiens, oui, j'ai évité tes missiles. Ah. En poignée 1, ça serait pas pire. Hey,
tiens, Ludic! On est de retour, juste avant de dire les affaires importantes, je veux dire quelques petites affaires juste avant la chose que je veux vraiment que vous entendiez. Sachez que je suis sincèrement désolé pour la qualité du vidéo. Pour qu'est-ce qui est audio aussi, je suis désolé, mais elle est pas trop pire quand même. J'avoue, c'est pas trop pire. J'avais des craintes, mais c'est pas trop pire. Juste pour vous dire, j'ai fait ça à l'improviste complètement. Je ne m'y attendais pas du tout à faire une vidéo gameplay. Pas pantoute. J'avais fait un vlog dont je vous invite à aller sur ma seconde chaîne YouTube qui est disponible actuellement. Dont le lien de la vidéo sera en description. Le lien de la vidéo du vlog qui est disponible sur ma seconde chaîne, c'est Légendaire MMCL. Mais c'est ça, je suis désolé, puis en plus, vu que j'avais pas beaucoup d'espace, ben la troisième vidéo n'était pas complète. Ouais, était pas complète. Presque, mais pas complète. Ben, je pense que ça finissait de toute façon. Je pense qu'on a fini, je suis en train d'essayer de tuer le zip, puis ça finit. Puis ça pose pas, on a ni une autre pu se détruire. Tuer, plutôt détruire. Pour la prochaine fois, inquiétez-vous pas, il va y avoir une autre vidéo. Une vidéo peut-être complète sur ce jeu. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Il va y avoir 4 parties d'affilée sur la prochaine vidéo. Je vous invite à écouter. Puis, si vous vous demandez si vous voulez jouer à ça, c'est où qu'il faut se rendre. Le hangar 51 se trouve le proche du métro, le plus proche c'est Rosemont. Mais le problème c'est que t'as un viaduc puis t'as après ça un détour. Alors je ne vous conseille pas de vous débarquer à Rosemont. Je vous donne deux options. Soit que vous débarquez au métro Laurier ou au métro Beaubien. Métro Laurier, je ne saurais vous dire quoi prendre s'il y a des autobus. Parce que je ne sais pas, je ne vais pas sur dans à cette station-là. Je sais même pas si j'ai été dans le métro, ben oui, mais j'ai-tu déjà sorti, je ne sais pas. Mais par contre, ou sinon, s'il n'y a pas d'autobus, vous marchez jusqu'au Castel-Laurent, qui est à l'ouest, bien évidemment. Après ça, vous allez à Saint-Laurent, vous ne traversez pas Saint-Laurent. Vous restez sur le côté est de Saint-Laurent. Pour Beaubien, par contre, ça je peux plus vous le dire. Vous prenez l'autobus Beaubien. Mais encore là, attendez. Attention. Ne prenez pas l'autobus à côté du métro. Parce que ça, c'est à la direction est pour aller à Honoré-Beaugrand. Ouais. Vous devez prendre l'autre autobus qui est sur Beaubien directement. Qui est de la direction ouest. C'est la direction que l'on veut. Puis, vous n'avez pas à traverser de rue pour prendre l'autobus. Après ça, vous vous rendez, si je me trompe pas, c'est 3 arrêts plus loin. Vous vous rendez à Saint-Laurent. C'est la dernière arrêt de la rue. Parce qu'après ça, elle tourne à droite. Parce que ça fait de la rue Beaubien. Tout simplement. Après ça, vous ne traversez pas la rue Saint-Laurent. Vous restez sur le même côté, vous traversez la rue Beaubien pour vous rendre, puis quand c'est du côté S, la place c'est du côté S, et autant d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté Laurier ou du côté Beaubien, vous allez vous rendre sans problème. C'est pas difficile à s'y rendre, je vous le garantis. Puis c'est au 5777 Saint-Laurent, si vous voulez savoir où à peu près. Ça, c'est ça pour les indications biographiques. Maintenant, l'affaire importante. Sachez que jeudi le 28 mai, soyez très attentifs. Jeudi le 28 mai, il y aura un événement qui aura lieu pendant 6 semaines. Non, c'est pas 6 semaines consécutives sans arrêt, là, non. Ce qui veut dire,
à chaque jeudi pendant 6 semaines, il va y avoir quelque chose qui s'appelle une ligue. Oui. Il y a une personne là-bas qui organise une ligue. Bien sûr, pour qu'est-ce qui est des détails monétaires, oui, ça fait de l'argent, bien évidemment. Qu'est-ce qui est des détails monétaires, les heures. Puis s'il y aura des prix, tout ça, c'est encore à confirmer. Je ne sais pas encore tous les détails. Parce que eux autres même ne savent pas encore tous les détails, comment ça va se passer. Sachez que ceci est un test. Pour voir si ça fonctionne bien et tout. Ça fonctionne, tant mieux. Mais par contre, les informations que j'ai, pour les gagnants, ok? On va y revenir. Les gagnants, c'est peut-être, il va y avoir peut-être une photo des gagnants, puis quand je dis des, c'est une équipe. Parce que vous allez être en équipe de 4. Ça encore là, c'est peut-être à confirmer, à moins que ça change, je sais pas trop. Mais quand on va expliquer, vous pouvez venir en gang, si vous voulez, vous pouvez venir avec d'autres amis, être 4. Si vous venez seul, vous êtes tous les bienvenus, bien évidemment. Vous allez juste joindre avec une équipe. Et équipe gagnante, probablement ils vont se faire prendre en photo puis être affichés, posés. Pour les gagnants de la ligue. Ouais. C'est comme je dis, c'est un test. C'est qu'on pourrait dire un projet pilote. Puis si je me trompe pas, les heures qu'on donné, c'est de. Je pense que c'était de 9h jusqu'à 11h, quelque chose de même. Les heures sont. C'est à confirmer. Si vous voulez être au courant à l'instant même, dire cette semaine, qui vont sûrement le publier maximum jeudi, qui va être là. Si vous voulez en savoir plus, quand ça sera le temps, qui vont sortir l'annonce, allez sur la page Facebook du Hangar 51 Montréal. Faut pas oublier le Montréal. Parce que c'est Hangar 51 Montréal, MTL, bien évidemment, pour la page Facebook et le site internet. Encore51mtl.com. Comme ça, il y a les informations aussi des prix. Combien ça coûte. Et tout. Sachez que la ligue, j'y serai. Oui. Durant la ligue, j'y serai. Si vous voulez me rencontrer, je ne participerai pas à la ligue. Faute monétaire. Mais je serai là. Et je ne vous dis pas plus que ça. J'ai prévu quelque chose, on va sûrement faire de quoi, avec la ligue. Qu'est-ce que ça va être? Ça, vous le saurez en temps et lieu. Ah, pour ça, on vous invite en grand nombre pour venir. Les heures d'ouverture, jeudi, vendredi, de 5h à 1h du matin. Oui, je précise 1h du matin. Et samedi, attention, c'est de 1h à 1h du matin. Oh, 12h d'affilée. Ouais, ça c'est le fun. Est-ce que je vais peut-être être là? Heure confirmée. Je ne sais pas trop encore. Pour faire ma vidéo. Si vous êtes intéressé aussi à me voir avant la ligue, aussi je risque peut-être de faire des tests. Je vous invite à venir me voir ce samedi le 23 c'est ça. Ce samedi le 23 juin, je vous invite à venir au Hangar 51. Juste pour vous dire, ce n'est pas la zone 51, c'est le Hangar 51. Ouais. Ça ressemble un peu, mais ce n'est pas. Ce samedi, j'y serai. Pourquoi? Parce que faut que je fasse mes vidéos quand même, de 1. Mais la principale raison, c'est que c'est peut-être le mieux. C'est exemple, il y a du monde qui veut venir me voir, tout ça. Ça va peut-être être mieux de même côté horaire. Juste comme ça. Comme ça, c'est samedi, la veille, vous avez eu le temps de dormir. Vous avez eu le temps de dormir. Puis le lendemain, c'est un dimanche, c'est correct. Vous allez avoir encore le temps de dormir. Pour ça que je trouve que c'est le meilleur temps.
J'aurais peut-être venu, exemple, jeudi ou vendredi, mais on va y aller le samedi. On va garder les jeudis pour la ligue. Puis je ne vous dis pas ce que ça va être, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant ce temps-là. Alors pour ça va être tout pour cette vidéo. Encore là, je vous invite à venir Planète 51. Sachez que ceci n'est pas du placement de produit, juste pour vous dire, un placement de produit pour un endroit. Ceci n'est absolument pas du placement de produit. C'est moi qui veux volontairement aider la place parce que je trouve ça vraiment le fou. J'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment une bonne expérience. Même que je vais y retourner, j'aime vraiment ça. Puis encore là, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve. Ah pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Ah pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BattleTech. Oui, BattleTech. Ah pour ça, je vous dis merci à tous.